Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de la classe de Madame Noël CO2. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons lire et écouter des poèmes, dont l'objectif, c'est lire et mémoriser un poème. Très bien. Donc, d'abord, on va commencer par la découverte du poster ou bien du support visuel que vous voyez devant vous. Donc, j'observe et je m'exprime. De quoi se compose ce poster? De quoi il est composé ce poster? En fait, donc ce poster il est composé de deux parties. Donc on voit un texte ici, plus une photo et un autre texte dans l'autre partie, plus des dessins. Très bien. Passons à la question 2. Que représentent les deux écrits? Ça veut dire le premier écrit et le deuxième écrit. Donc le premier écrit, il représente un poème, bien sûr. Très bien. Et le deuxième écrit, c'est aussi un autre poème. Bravo. Donc, est-ce que vous connaissez cet animal, les enfants? Où se trouve-t-il? Ce sont quoi? Ce sont des fourmis. Allez, comment s'appelle cet animal? En revenant au titre du poème, le tamanoir. Donc cet animal, c'est le tamanoir. À votre avis, que fait-il? Il mange. Très bien. Ou bien il cherche quelque chose. À votre avis, que mange-t-il? Que mange-t-il? Il mange des fourmis. Très bien, il mange des fourmis. Est-ce que vous connaissez le tamanoir? Donc le tamanoir, c'est un mammifère de la taille d'un grand chien. On voit qu'elle a une taille d'un grand chien. Donc le tamanoir a une fourrure, bien sûr. Donc elle est géant un peu. Possède un long pelage rêche. Donc elle a un long pelage rêche. Très bien. Donc aussi regardez ça. C'est quoi ça? C'est son museau. Elle a un museau qui est très long et ressemble davantage à une trompe. Regardez, il ressemble à une trompe. Et elle a une langue. Donc la langue qu'il utilise pour capturer les fourmis. Donc elle a une langue qu'il utilise pour capturer les fourmis dont il se nourrit. Regardez, il se nourrit sur les fourmis. Très bien. Donc, cet animal, il possède une langue qui mesure 65 cm de langue. Donc, il ne possède pas des dents. Il n'a pas des dents. Il a des petits yeux. Regardez ses yeux. Ils sont très petits. Et il a des pattes, bien sûr. Et dans ses pattes, il a 5 griffes. Donc, il possède 5 griffes. Donc, sur le plan physiologique, le tamanoir interne, donc d'une température, ne dépasse pas 32 degrés Celsius, ce qui fait l'animal ayant la plus basse température corporelle parmi les mammifères du monde. Donc, c'est un animal qu'il se nourrit, on a dit sur quoi? Sur les fourmis. Très bien. Donc, passons à la deuxième partie. À la deuxième partie, c'est le deuxième texte. Très bien. Donc, on a dit que ça, c'est aussi, c'est un poème. Donc, pourquoi le chat, votre avis, s'adresse-t-il à la souris? Regardez-le. Et que fait la souris, à votre avis, elle aussi? Donc, c'est le petit chat blanc. Le petit chat blanc. Très bien. Et on voit aussi des dessins. Ce sont quoi? Des dessins de quoi? D'une petite souris. Il y a une petite souris. Et des dents. Regardez les dents. On voit des dents. Regardez cette dent. Elle pleure. Celle-ci, comment elle est? L'autre. Donc, on dit ce sont des dents cariées. Ce sont des dents cariées. Très bien. Donc, et la dernière question.
C'est la question numéro 5. Qu'est-ce qui est coloré en bleu dans les deux poèmes? Donc, regardez, dans les deux poèmes, il y en a des couleurs bleues. Donc, c'est quoi ça qui est coloré en bleu? Ce sont les sons qui se répètent à la fin des vers. Donc, ce sont des sons qui se répètent. Regardez, noir, noir. Je fais la quinte. Noir, noir. Regardez, noir, 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 noir. Regardez, noir. Donc ça ici c'est war et ça c'est noir. Donc on entend le même son. Donc on entend le même son. On peut donc dire qu'un poème rime. Ça veut dire qu'on entend le même son. Passons au deuxième poème. On entend blanc. Blanc, dans, en. Voilà, donc dans ces trois vers, on entend le même son. En, en. C'est, on dit qu'il y a la même rime. Ici, i, ami, i, souci, dit. Donc, i, voilà, ici, on entend aussi la même rime. Ici, en, man, man. I, man, en, a. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les poèmes rime, les poèmes riment. Très bien. Donc, passons maintenant à écouter ces deux poèmes et après, on va faire j'écoute. Après l'écoute, on va faire j'écoute et je m'exprime. Très bien, les enfants.